Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce 75e numéro du club Le Figaro International, qui est aussi le dernier de la saison avant la trêve estivale. Alors en ce moment, il n'est question que des législatives, mais il y a aussi un événement international majeur qui nous attend cet été. Ce sont bien sûr les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors nous sommes presque un mois jour pour jour avant la cérémonie d'ouverture. Quel sera l'enjeu pour la France en termes d'organisation, de sécurité, d'image, de prestige? Les conflits qui secouent la planète auront-ils une répercussion sur les Jeux? La mesure du succès sera-t-elle que les JO soient de toute façon une fête? Nous en parlons tout de suite avec mes invités. Béatrice Gibelin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure émérite des universités, fondatrice et directrice jusqu'en 2012 de l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Vous êtes directrice de la revue de géographie et de géopolitique Hérodote, dont vous avez consacré un récent numéro à la géopolitique de l'olympisme. Vous avez également publié de très nombreux ouvrages sur les conflits dans le monde, les extrêmes droites en Europe ou encore le paradoxe français entre fierté nationale et hantise du déclin, des titres qui résonnent d'une actualité toujours puissante. Jean-Baptiste Guégan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de la géopolitique du sport, essayiste et consultant. Vous donnez des cours en géopolitique et sociologie du sport à Sciences Po Paris et à l'ESG et d'autres établissements d'ailleurs. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont deux sont sortis récemment, La guerre du sport, une nouvelle géopolitique avec Lucas Aubin, chez Talendier en avril de cette année, et Révolution Mbappé avec Clément Pernia chez Michel Lafon en mars de cette année. Yves Tréhard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro, où vous chapeautez entre autres le service des sports, et vous signez d'ailleurs depuis quelque temps une lettre hebdomadaire sur les JO de Paris à destination de nos abonnés. Vous avez aussi votre propre club politique, comme le savent bien les téléspectateurs du Figaro TV, et on ne compte plus vos apparitions sur le petit écran. Martin Couturier, bonsoir. Bonsoir Philippe. Merci d'être là. Vous êtes rédacteur en chef du service des sports du Figaro, où vous couvrez l'actualité sportive depuis, on va dire, un peu plus de trois décennies. Ça pique. Et bien entendu, vous êtes aussi, vous aussi, dans les starting blocks. Ah ouais. Pour un été ultra sportif avec l'Euro de foot, le Tour de France, les JO, les Jeux paralympiques et j'en oublie sûrement. Alors je voudrais qu'on commence par l'actualité puisque il y a cette actualité politique des législatives qui s'est télescopée récemment avec l'actualité sportive puisqu'on a entendu pas mal de joueurs de foot notamment prendre position sur le vote des législatives. Première question comme ça, ça vous paraît, est-ce qu'ils sont dans leur rôle à la fois de citoyens tout simplement, mais aussi peut-être de modèles, de personnalités publiques, Yves Tréhard ? Oui, alors, beaucoup disent, ils exagèrent, ils ne sont pas dans leur rôle, mais ils sont dans leur rôle, ce sont des citoyens comme les autres. Simplement, ce qu'on leur reproche, c'est que pour certains d'entre eux, et beaucoup d'entre eux, quand ils gagnent des fortunes, ils sont dans un autre monde que, évidemment, monsieur tout le monde, tout un chacun dans la société française, qui rame, qui, pour boucler ses fins de mois et tout ça. Ce n'est pas tout à fait le cas, ni de Marcus Thuram, ni de Mbappé. Après, on dit, c'est une autre critique, on dit, est-ce qu'ils ont une influence ? Certes, ils ont une influence. Évidemment qu'ils ont une influence, mais ils ont une influence sur un public qui, souvent, lui, n'a pas le droit de vote, puisque ce sont souvent, ils ont une influence certaine sur des enfants, sur des adolescents, qui n'ont pas encore le droit de vote. Ouais. Est-ce qu'ils ont une influence sur les autres ? Probablement, ouais. Mais elle ne doit pas être exagérée, à mon avis. Ouais. Et puis, est-ce que cette influence est néfaste ? Parce qu'après tout, ils s'appuient, il y a une tribune qui est parue dans l'équipe, dans laquelle ils invoquent le respect, la valeur du respect qui est oui. mise en avant dans le sport et qui ne serait pas toujours respectée dans la politique. L'un de vous deux, Jean-Baptiste Guégan. La question du respect, ce qui est assez intéressant dans cette tribune-là, c'est que les sportifs se positionnent. Ce n'est pas les joueurs de foot d'ailleurs qui la signent, c'est assez intéressant. Oui, parce qu'il y a une soixantaine de sportifs, dont des marins. Et ils appellent justement à concilier aussi la place du sport
et à être regardés comme des citoyens. C'est ça qui est assez intéressant. C'est de voir qu'avant, on ne légitimait pas la parole du sportif. Aujourd'hui, on l'entend. Oui. Ils ont des choses à dire. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais c'est ça aussi la démocratie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils donnent aussi un autre point de vue sur ce qu'est la France, ce qu'elle doit être. Oui. C'est ça qui est intéressant avec... Mais est-ce qu'on doit se plaindre que les sportifs demandent le respect pour le respect? Pour la valeur du respect, madame. Je ne sais pas, le respect pour le respect. Je pense qu'aujourd'hui, pourquoi aussi ils prennent la parole à cause des réseaux sociaux? Pendant très longtemps, il n'y avait pas de réseaux sociaux, donc il n'y avait pas de chambre d'écho. Oui. Tandis que là, maintenant, il y a une chambre d'écho avec beaucoup de jeunes qui s'informent essentiellement. Ça s'est fait aussi dans les conférences de presse. Oui, exactement. Ce sont les journalistes qui leur ont posé des questions. Bien sûr. Mais je pense que c'est important. Au moment, en plus, l'année des JO en France, ça serait quand même un peu curieux qu'il soit dans une bulle apolitique du sport. On sait très bien que ça, c'est une illusion et c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Ils étaient dans une bulle, effectivement, et là, ils en sortent, ils commencent à en sortir. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et que le plus emblématique des sportifs français, enfin, en tout cas, l'un des plus emblématiques, Kylian Mbappé, lui-même disent le premier match de l'Euro, finalement, c'est pas très important par rapport à ce qu'on vit en France. Ouais. C'est quand même un signe fort. Juste un point, il n'y en a aucun qui se prononce en faveur du Rassemblement national. Ils sont tous, en gros, contre l'extrême droite. Et c'est plutôt, oui, et je pense que s'il n'y avait pas eu cet enjeu de l'extrême droite posé, je pense qu'il y aurait eu moins de prise de parole, très vraisemblablement. Bien sûr. Il faut pas oublier que par le passé, ça s'est déjà produit en France. Hein. Oui. Moi, j'ai le souvenir de la Coupe du Monde 1978 en Argentine, c'était la dictature. Vous n'êtes pas si vieux, Yves. Si, malheureusement si. En plus, c'était l'année de mon bac. Donc vous avez regardé les matchs plutôt que... Effectivement. Plutôt que... révisé. Et il y avait la dictature du général Videla, comme chacun sait. Et je me souviens qu'il y a un joueur qui est assez emblématique en plus à l'époque, c'était Langevin, c'était Dominique Rocheteau, qui se posait la question de savoir s'il avait dit publiquement s'il allait y aller ou pas. Finalement, il y était allé. Mais déjà, ça se posait, la question se posait à l'époque. Ce qui est assez intéressant, c'était la réponse de Platini à l'époque. Et Platini avait répondu. Parce que Platini avait dit, moi j'irai la jouer, s'il faut j'irai la nage. On est sur un positionnement complètement différent. C'est-à-dire que là, on était sur le sport d'abord, la politique après, et ils ne se sentaient pas directement concernés. Aujourd'hui, on a un renversement complet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette génération de footballeurs-là et de sportifs considère son rôle dans l'espace social, assume un rôle politique, et vous avez raison, Madame Gibelin, sur la question des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce sont des médias à part entière. Bah, Mbappé, il n'a plus besoin du média. Mmh. Il est lui-même un média. Ouais. Alors après, vous a pas échappé que la Fédération française de foot a envoyé un communiqué assez rapidement derrière ses prises de parole pour dire attention neutralité. Ouais. Effectivement, on va, j'imagine, en parler un peu plus longuement. Oui, parce que la neutralité est une des valeurs dominantes de l'Olympisme. De l'Olympisme, exactement. Et les fédérations, effectivement, notamment celles qui sont affiliées au CIO, doivent respecter la neutralité. Ouais. Et donc, les athlètes, en gros, ont le droit de s'exprimer, mais les fédérations en tant que telles n'ont pas appelé effectivement à voter pour le Rassemblement national ou pour... Non mais le CIO lui-même prend des positions, dans la mesure quand il dit non aux athlètes russes ou d'une manière russe. Oui, on va y venir. Mais je voudrais qu'on commence d'abord par parler de la cérémonie d'ouverture, parce que là on aura le verdict de ces fameuses législatives, donc ce qui peut ajouter peut-être un degré de complexité à une cérémonie qui est déjà elle-même un pari considérable. Un pari organisationnel, Jean-Baptiste Guégan, sécuritaire. C'est-à-dire que si on réussit, on marque littéralement la décennie et on change les représentations de la France. Si on échoue, on entre dans l'histoire pour autre chose. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire échouer? Ça peut être à cause du niveau du débit de la Seine ou bien vous pensez à un attentat? Ce serait formidable. C'est-à-dire que là, on serait dans une situation où la seule préoccupation serait de voir Anne Hidalgo en maillot de bain. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur autre chose, on est sur la capacité à accueillir le monde, devant le monde entier qui regarde, cette cérémonie d'ouverture, ce sera 3,5 milliards de personnes qui vont la regarder. Oui. C'est l'image de la France, sa capacité à accueillir le monde et à être au niveau de puissance qu'elle espère encore avoir. Aujourd'hui, ce qu'on joue aussi, c'est la représentation internationale du pays, et cette manifestation-là, elle va être prépondérante. Mmh. Or, cette cérémonie, on le sait tous, c'est la somme de toutes les menaces, c'est la somme de toutes les peurs. Oui. Madame, Béatrice Gibelin, dans votre éditorial de la revue Hérodote consacré
À l'Olympisme, vous dites qu'en fait, un des ressorts, c'était de faire mieux que Londres en 2012. Ah oui. C'est quelque chose de clair, Londres, de public Je pense, enfin, en tout cas dans l'imaginaire ou dans l'inconscient, comme vous voudrez. Enfin, faire arriver la reine d'Angleterre en avion, descendre en parachute. Enfin, avec James Bond. On pouvait difficilement. Enfin, c'est toute l'Angleterre dans sa folie. Donc il fallait faire mieux que ça. Donc c'était un peu un challenge. Et puis le deuxième challenge qui est important, c'est Paris. C'est-à-dire avoir cette... Parce que c'est de l'audace, vous avez raison, c'est un pari, on prend tous les risques. Mais faire vraiment descendre sur la Seine, par bateau, pourvu qu'il fasse beau, pourvu que ça ne soit pas trop haut et qu'on puisse passer sous les ponts, avec comme décor le Louvre, la tour Eiffel... Le pont Alexandre III, ça va être absolument sublime. Et vous verrez que tous les grincheux, si on réussit le coup, vont dire « Ah, mais c'est nous !» Alors, il y en a des grincheux sur ce plateau ou pas? Martin n'est pas un grincheux. Si, moi, je peux être un peu grincheux quand on m'agace. Ah, et là, on vous a agacé. On m'a agacé pas mal sur les jeux, mais on va en parler. Non, au sein de la rédaction. Il va régler ses comptes. Voilà. Juste pour finir sur la cérémonie d'ouverture, l'idée, quand même, au départ, devient de Thomas Bach, le patron du CIO, qui, après les Jeux Olympiques de la jeunesse, où l'Argentine avait pour la première fois fait une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade, a dit « mais c'est une super idée ». Et là, Paris 2024 s'est dit « ouais, c'est pas con ». Alors, ils ont commencé par penser aux Champs-Élysées. Ça aurait été effectivement assez simple, un peu plus simple. Un peu plus simple. En tout cas, plus habituel. On sait faire des défilés sur les Champs-Élysées. Voilà, le 14 juillet. Ils sont un peu plus armés d'habitude. Exactement. Et finalement, ça a atterri sur la Seine. Il faut le dire à tous les gens qui nous suivent, c'est pas une idée d'Emmanuel Macron, hein. C'est pas la volonté de Macron au départ de se faire mousser. C'est venu de Thomas Bach, puis du COJO, du comité d'organisation Paris 2024. Et après, effectivement, le président a dit c'est une excellente idée, il faut y aller, on y va. Alors, sera réussi s'il n'y a pas d'attentat, évidemment. Non, mais maintenant, il y a une autre. Parce qu'on parle beaucoup du contexte international, évidemment, avec les tentatives d'immixtion du conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec Poutine qui est dans sa guerre, sa cyberguerre. On pense évidemment aux attentats, mais il y a une autre dimension qui vient s'ajouter effectivement avec ces élections législatives en France, c'est le désordre. Et d'ailleurs, le président de la République, je trouve ça assez étonnant, il dit attention au risque de guerre civile, puisqu'il en a parlé pas plus tard qu'hier. Et c'est vrai que, normalement, enfin, si on en croit les sondages, les deux extrêmes devraient probablement arriver en tête, surtout l'un d'ailleurs dans cette élection. Il pourrait y avoir des mouvements sociaux, des grèves, pas jusqu'à la guerre civile, mais des grèves ou des échauffourées. Il y a certains mouvements d'extrême gauche qui ont appelé quand même une certaine forme de révolution. On pourrait avoir la France dans la rue. On n'aura pas la France dans la rue à Paris. Attends, on va écouter ce que dit Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, sur le sujet. Elle demande une trêve politique en France. C'est pas la candidature d'un camp politique, c'est la candidature de la France. Et par ailleurs, non seulement c'est la candidature de la France, mais le monde va nous regarder. Et les Jeux Olympiques, moi j'appelle à une trêve olympique, quel que soit le résultat des élections, et quelle que soit la situation politique de la France. Une trêve olympique avec une unité totale. Ne pas détruire le travail de centaines de milliers de personnes. C'est un vœu pieux, Jean-Baptiste Guégan. Bah, l'idée de trêve olympique, c'est déjà de la communication, surtout que là, on est dans de la communication politique. Après, tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Tout le monde a intérêt à ce que ça se passe très bien. Et effectivement, il y a toujours cette question du risque. Il faut être capable de le mesurer. L'immensité des gens dans la rue, j'y crois moyennement. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on arrive à gérer l'après-législative. Il y a forcément un intérêt pour des acteurs, que ce soit des ONG, que ce soit des acteurs hostiles à la bonne tenue des Jeux, de se faire remarquer. Et avec la visibilité que vous aurez plus de 20 000 journalistes sur place. Forcément, ils vont regarder. C'est aussi le revers du soft power, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens vous regardent. Donc, vous pouvez pas tout cacher. Là, en l'occurrence, on a cette fenêtre de vulnérabilité. Je pense qu'on sera capable de faire face, et je pense qu'à un moment donné, tout le monde au CRI sera capable de comprendre l'intérêt général, parce que c'est vraiment ça qui est en train de se jouer. Et de mettre entre parenthèses les dissensions politiques françaises, proprement françaises. Si on fait abstraction de ce risque-là, quels sont les autres risques dominants? Parce que quand on regarde les mesures de sécurité, alors il y a 45 000 policiers, 10 000 militaires, enfin c'est quelque chose...
Je crois qu'un général a dit on n'a pas vu d'opération militaire de cette envergure en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Bon, ça, sur notre territoire. Ça peut être une affaire cyber, hein. Oui, je l'accord. À mon avis, c'est le plus grand risque. Alors, il y a un plan anti-drone, il y a un plan anti-chimique, il y a un plan anti-biologique. Et l'affaire cybersécurité, on a fait un article dans le numéro d'Hérodote là-dessus. Tout le monde. Ah oui, les chiffres sont terrifiants. Ils sont terrifiants. Il y avait Tokyo, 450 millions de cyberattaques pendant les JO. Personne n'imaginait ça. 450 millions. Et bon, alors la France, ça, c'est un des bons côtés de sa centralisation. On a nommé un préfet qui est en charge de spécialement là-dessus, qui est en charge de tout coordonner. Je pense que c'est effectivement un. Oui, ça serait ennuyeux qu'il nous coupe le courant. Mais, oui, mais on peut. Plus de lumière, quoi. C'est à mon sens un des risques majeurs. Ouais. Je crois moins à l'attentat islamiste ou autre à ce moment-là des Jeux. Franchement, parce que d'abord il y a quand même beaucoup de pays musulmans qui viennent aussi aux Jeux et qui vont participer aux Jeux. Ça serait. Oui, mais enfin, l'islamisme s'attaque en général d'abord aux musulmans. Oui, mais dans certaines situations internes. Le préfet de Paris, le préfet de Paris a dit que c'était quand même le premier risque la semaine dernière. Oui, moi je crains, c'est le loup solitaire. Oui. Parce que j'ai du mal à croire que vu le dispositif de sécurité autour de chaque site. J'ai du mal à croire que quelqu'un arrive à faire quelque chose à l'intérieur du Stade de France. 13 novembre, ouais. Ouais. C'est plutôt le loup solitaire. Voilà, c'est plutôt le loup solitaire qui en dehors du périmètre des Jeux, arrive dans Paris, effectivement, avec un couteau, avec une arme, avec... Ça, je crains, c'est ça, effectivement, plus qu'autre chose. Et le cyber, effectivement, les cyberattaques, alors là, ce qu'il faut dire, c'est que les cyberattaques ne toucheraient pas principalement ou seulement les sites de compétition, mais ça serait le système de réseau de transport complètement désorganisé, le système de radiodiffusion, le système hospitalier, ça, c'est ça qui... Ça, c'est un gros risque. Il faut savoir qu'en France, il y a quasiment un hôpital par jour qui est touché par une cyberattaque. Et il semblerait que nos amis russes soient assez bons là-dedans. Ils sont bons là-dedans. Assez bons là-dedans. Là où on va en venir à l'onde de choc possible des conflits qui existent. Jean-Baptiste Guégan, vous mettez... Quelle est la hiérarchie des risques? Moi, je pense d'abord que le pire n'est jamais certain. Et qu'en France, on a une vraie capacité à répondre à cette question. Oui, mais c'est important de le dire parce que... Oui, mais on est avant un événement, c'est normal aussi de se préparer au pire pour l'éviter. La première menace, c'est évidemment la menace sécuritaire. Parce que celle-là, vous allez mobiliser énormément de gens sur le terrain et vous n'êtes pas à l'abri de ce qui s'est passé à Hambourg récemment pendant l'Euro. C'est-à-dire quelqu'un déséquilibré qui se jette dans une foule. Qui n'est justement pas un loup solitaire, qui est quelqu'un de déséquilibré à ce moment-là, et ça fait la une des médias, et pendant 24 heures, on en parle. Bon. Le risque terroriste... Ça n'empêche pas l'euro de continuer. Exactement. Et en plus, vous voyez la fête à Hambourg qui s'est poursuivie. Moi, j'ai des amis qui y étaient, et honnêtement, c'est aussi la capacité de la société allemande à être résiliente. Ouais. La France aussi a cette capacité qui a été intégrée. Sur la question terroriste, on en parle maintenant, en tout cas sur les attentats planifiés, parce qu'on a eu le retour de Daesh à l'occasion de l'attentat de Moscou. Mais avant, c'était une menace, on va dire, de second rang. Après, il y a la question du désordre interne, vous en parliez. Il y a la question aussi, finalement, de tout ce qu'on a pu voir avec le Stade de France. La finale de Ligue des Champions, c'était très mal passé. Et puis après, il y a aussi une menace qu'on a tendance à sous-estimer, c'est la menace informationnelle. C'est la capacité de certains acteurs à utiliser les réseaux sociaux pour diffuser une image négative de la France, une image négative de sa capacité à gouverner et surtout à faire face à l'événement. On l'a vu avec l'Azerbaïdjan, on l'a vu aussi avec la Russie. Ils sont très forts pour ça et surtout, ça demande absolument rien en termes de coûts. C'est-à-dire que de la même manière qu'un drone va vous coûter quelques dizaines de dollars et va vous demander finalement des millions d'euros pour compenser, là on est sur la même chose. Une campagne avec quelques images de ce qui s'est passé, gilets jaunes, émeutes, etc. Vous associez tout ça, vous mettez l'image d'Emmanuel Macron et vous dites « la France n'est pas prête » ou « la France est responsable d'eux » et après vous mettez ce que vous voulez derrière. Et ça marche. Ouais. C'est ça aussi le risque qu'il faut aussi... Mais ça, c'est déjà à l'œuvre. C'est déjà à l'œuvre. Ça explique peut-être une partie, d'ailleurs, du succès très relatif des locations d'hôtels. Apparemment, on est en dessous
des anticipations. Ils étaient partis très fort aussi, les hôtels. Hein, oui. Parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient avoir jackpot. Oui. Donc, ils avaient monté les prix de façon... C'est peut-être ça qui a provoqué. Et les Airbnb, c'était encore, encore plus délirant. Oui, bon, alors il y a effectivement... Au bout d'un moment, on se calme. Les espoirs économiques mis et placés dans les jeux, il y a une période de flottement, là, en ce moment, parce que... Alors, les restaurants et les bistrots font un peu la tête, parce que ceux qui sont proches des sites n'auront pas le droit de sortir leur terrasse. Donc pour eux, c'est vrai que c'est dramatique, parce que c'est là où ils pensaient faire leur chiffre d'affaires. Les chambres d'hôtel, les hôtels, paraît-il, sont loin d'être pleins. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça, mais je dirais qu'on fera le bilan après les Jeux, parce que c'est un peu tôt. Peut-être qu'on avait un petit peu trop survendu la chose, avec l'aide d'ailleurs des pouvoirs publics qui avaient dit... On sait que dans les villes qui accueillent les Jeux Olympiques, les touristes fuient. Ils ne viennent pas cette année-là, pendant la période des Jeux, parce qu'ils savent que c'est très compliqué, trop cher. C'est-à-dire le touriste ordinaire. Le touriste ordinaire qui ne vient pas pour les Jeux. Il ne vient pas au moment des Jeux, il vient venir avant ou éventuellement, et beaucoup après finalement. Bien les conséquences de tout ça se jouent après. On a parlé de ces risques, il y a le contrepoison, si je puis dire, ce serait la trêve olympique. J'ai appris en lisant votre numéro qu'il y a une demande formelle qui a été déposée en novembre 2023 devant l'ONU. Oui. Je pensais que c'était un concept un peu éthéré, mais non. Non, pas du tout. C'est une démarche diplomatique. Mais attendez, ça n'existe pas depuis toujours. Hein. Il y avait effectivement la paix olympique quand on était à Grèce, en Grèce où toutes les cités qui se faisaient la guerre disaient bon, stop, le temps qu'on se rend. À l'époque, c'était respecté. Sur Olympie, parce qu'ils venaient à pied, ça menait du temps, donc on fait la pause. Pendant ce temps-là, on rentre chez soi. C'est une sorte de sauf-conduit en fait pour exactement. Les athlètes. Et après, on recommence. Et le public. Puis quand Coubertin a relancé. Et on n'a jamais parlé de trêve olympique véritablement, c'est à Barcelone, en 1992, mais dans, j'allais dire, l'euphorie de la chute du mur de Berlin, de l'effondrement de l'Union soviétique. À Barcelone, il n'y avait jamais eu autant d'États qui venaient participer aux Jeux. En plus, en Catalogne, il y avait quand même la chute du franquisme, c'était 14 ans avant, c'était peut-être pas encore si loin. Bref, c'était un moment assez euphorique. Et c'est là qu'a été prise la décision, enfin si je ne me trompe pas, de refaire en fait une trêve olympique qui a démarré en 93. Mais cette trêve olympique, soyons honnêtes, elle n'a jamais empêché le moindre conflit à se prolonger, avec même des moments qui sont tout à fait intéressants, puisque on voit bien quand il y a la Crimée est envahie, ça sera le moment de Sochi, ça se passe exactement au même moment. On peut dire quand que Poutine l'a déjà violé au moins trois fois. Les Jeux d'hiver à Pékin, c'est en 2022, grande accolade entre Xi Jinping et Poutine, et crac, invasion de l'Ukraine. 2008, 2014, 2022, ce sont des supposés trêves olympiques, et ce sont des offensives militaires russes. Et ce sont des moments vraiment d'offensive très très forte. Donc je crois qu'il ne faut pas, hélas... Mais la démarche d'aller à l'ONU, déposer une demande de trêve, c'est... Bah, c'est symbolique, ça dit un peu quelque chose. On en a besoin aussi. C'est important. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour faire entendre raison, évidemment, à des gens qui sont... On en a besoin, mais il n'y a que les gentils qui la respectent. Ça relève, c'est un peu comme le droit international, on en fait ce qu'on veut, hein, c'est au bon vouloir des États de la respecter, de respecter cette trêve ou pas. Il y a un côté tactique à l'usage de la trêve olympique, c'est-à-dire que même Vladimir Poutine a appelé à la trêve olympique parce que sur le terrain, ça l'aurait bien arrangé parce que l'armée russe était en difficulté. L'usage de la trêve olympique, ça favorise surtout celui qui la demande. Ouais. Et il le fait jamais sans arrière-pensée. Quand Emmanuel Macron appelle à la trêve olympique, c'est comme Valérie Pécresse tout à l'heure, il y a aussi une arrière-pensée personnelle et politique. Uh-huh. On sait que derrière, vous apparaissez comme étant celui qui détient finalement l'idéal, le côté symbolique vous sert, et vous êtes finalement dans une logique très simple. Regardez, c'est moi l'homme de paix, ou la femme de paix en l'occurrence. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette demande de trêve olympique, qui en fait se prévaut de la neutralité politique de l'olympisme, alors qu'en fait il n'y a pas de neutralité politique, puisque l'organisation, le Comité international olympique, lui-même prononce des oukases contre certains sportifs. C'est le cas d'ailleurs, là, contre la Biélorussie. Oui. Alors, c'est quoi la situation en deux mots pour les athlètes russes? Là, il y a 25, je crois, 25 athlètes russes et biélorusses qui viennent d'être validés
pour aller... Sous bannière neutre. Alors, bannière neutre, ce sont des AIN, ils ont des maillots vert-pomme, athlètes individuels neutres. Ils ont des drapeaux verts avec un rond blanc. Hein, ils n'ont pas le droit d'utiliser le drapeau national. Donc, ils ont et il y a un petit hymne sans parole, oui, enfin, quelques notes de musique. Pour et ces, ils étaient quand même plus de 300 à Tokyo en 2021. Donc, on voit quand même une énorme différence, effectivement, avec, après la guerre en Ukraine. Parce qu'il y a des critères qui ont été fixés, c'est-à-dire respect du protocole antidopage. Donc là, pendant les années qui se sont écoulées, c'était compliqué. Non, mais le début du problème, c'était ça. C'était quand même du dopage à Sochi. Et puis après, il ne devait pas avoir été financé par l'armée. Pour avoir eu un lien avec l'État, ne s'être jamais positionné politiquement et ne pas risquer finalement de le faire. Ça résiste. Ne pas avoir soutenu la guerre, notamment. Et en plus, ne pas avoir soutenu la guerre. Ça fait partie des six. Ce qui fait que ceux qui demandent ce statut prennent un risque. Les Russes qui demandent ce statut et qui s'affichent comme n'ayant pas soutenu la guerre prennent un risque. Poutine. Rétrospectivement, vis-à-vis de leur propre pouvoir politique. Ça dépend. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez des Russes et des Biélorusses, vous allez avoir des services de sécurité qui vont accompagner aussi. Vous allez avoir de toute façon une présence russe sur place. Donc de toute façon, le pouvoir russe va pouvoir s'en servir. Vous aurez un discours soit victimaire habituel qui consiste à dire regardez, oh là là, on nous traite comme des méchants, systématique. Ensuite, si ça gagne, ah regardez, même quand on veut pas de nous, on est capable de renverser la table. Ouais. Et puis sinon, vous avez les fameux jeux alternatifs. Vous avez eu les jeux des BRICS, il y a les jeux de l'amitié, les jeux du futur. De toute façon, mais ça marche pas, ça c'est. Ah si, ça marche dans leur. Le jeu des BRICS, ça n'a pas la notoriété internationale, évidemment, des jeux olympiques. Voilà, mais. Pour faire du bruit. C'est ça, ça sert à un discours. Autour d'eux, et se dire, au sein d'eux, plutôt qu'autour d'eux. Oui, au sein. Vous avez parfaitement raison. Ouais. On existe peut-être entre nous, mais au fond, on n'a pas besoin des autres qui sont, C'est un acte politique, en fait. Oui, de leur... Ce qui est étonnant, Philippe, c'est quand même qu'il y a des athlètes russes qui continue à jouer au tennis depuis la première heure sans aucun problème. Medvedev était et à Roland-Garros. Quelle est l'explication? En fait, c'est que il y a certains sports. C'est la géométrie variable. Oui, exactement. Certains sports ont continué. Ils sont effectivement sous bannière neutre. À Roland-Garros, ils n'étaient pas affichés. C'est lié aux décisions des fédérations internationales. En réalité. Et les fédérations sur lesquelles s'appuie beaucoup le CIO parce qu'il a pas le choix. Qui s'appuie totalement d'ailleurs. Exactement. J'ajouterais sur les Russes. C'est bien compliqué cette géopolitique du sport. Il ne faut pas oublier une chose. Les Russes, c'est une vieille tradition quand même. Les Russes, ils envahissent l'Afghanistan. L'année juste avant d'accueillir les Jeux Olympiques en 1980. Alors qu'est-ce qui nous réserve cette fois-ci? Nous, ce qu'on considère, c'est que le sport est l'avant-scène des relations internationales. Si vous voulez savoir ce qui se passe, regardez ce qui se passe au jeu. On parlait de la Crimée, on parlait de la Géorgie, on parlait finalement de l'attaque en Ukraine. Systématiquement, vous allez avoir l'usage des jeux, soit pour temporiser et se préparer, soit pour au contraire annoncer quelque chose. Et là, vous anticipez quelque chose de particulier? Si vous voulez regarder quelque chose... Parce que l'état de la planète n'est déjà pas très, très florissant. Le pire n'est jamais certain, j'insiste là-dessus. Oui. Mais en l'occurrence, là, vous allez avoir finalement le monde entier qui va regarder, et donc le monde et ses problèmes viennent à Paris. À partir de ce moment-là, vous aurez des initiatives diplomatiques qui vont être prises, vous aurez la volonté pour les uns les autres de communiquer à l'extérieur, mais autour de l'événement, et donc vous aurez aussi la possibilité de préparer la suite. Vous verrez des alliances se mettre en œuvre. C'est assez intéressant, par exemple, pour les Jeux des BRICS, la Chine est très peu présente. On est proche même du fiasco pour les Jeux des BRICS. Mais on a communiqué dessus. Si vous voulez comprendre la gouvernance du monde et le moment dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de volonté de faire éclater les institutions qu'on a eues post-Seconde Guerre mondiale, regardez ce qui se passe. La volonté de construire des jeux alternatifs, d'avoir une autre gouvernance du sport, vous avez ça à Paris. Et c'est assez intéressant parce que la chose la plus facile à comprendre pour les gens aujourd'hui, c'est de regarder le sport, pas le reste. Oui, mais là, par exemple, les jeux que mène au fond Moscou, les contre-jeux, on va dire, les jeux de l'amitié, etc., comme vous le disiez très justement, ils ne sont regardés que par leurs alliés. Que par ceux qui soutiennent la force des JO, c'est d'être universel. La force des JO, je veux dire 3,5 milliards, on est tranquille, ils feront pas ça dans leur jeu d'amitié. Donc ça va être un petit peu rikiki. Et d'une certaine façon, j'allais dire pour les Russes qui regarderont quand même les Jeux Olympiques à Paris, puis qui verront après avec peut-être 26 nations, une petite trentaine si tout va bien, par rapport à ce que ça a été les Chana, strictement rien à voir. Donc ça peut presque avoir
un effet qui peut se retourner en disant oh, mon Dieu, on est bien seul et on ne fait pas grand-chose. Donc, On a beaucoup parlé de la Russie, mais il y a quand même aussi le conflit à Gaza qui mobilise beaucoup dans les sociétés occidentales. Mais c'est très particulier. Vous avez quand même les athlètes palestiniens qui s'entraînaient avec les athlètes israéliens depuis très longtemps. Ça, c'est à noter. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. On, ça. On est très loin de Munich, on a, 72. Oui. Heureusement, on a un comité national olympique palestinien, ce qui est tout à fait étonnant, et qui a été lié à Oslo. Donc on retrouve bien là un contexte géopolitique qui fait qu'à ce moment si particulier d'Oslo, plein d'espoir pour essayer d'arriver à la paix sur ce territoire, on a créé un comité national olympique et pour les Palestiniens. Et il devrait y avoir à peu près entre 6 et 8 athlètes palestiniens qui seraient là, dont un qui s'est qualifié, un gars du taekwondo. Qui a réussi à se qualifier véritablement, et les autres seraient invités avec un système de wildcard par le CIO. Avoir fait un portrait du premier athlète palestinien qui avait concouru aux Jeux Olympiques quand j'étais correspondant. Et qu'est-ce qu'il a eu comme résultat ? Il s'entraînait sur la plage à Gaza, c'était un coureur. Non, il a rien gagné, mais il était le seul. Il répondait à Coubertin. Voilà. Et alors justement, il y a plus de nations reconnues au CIO qu'à l'Assemblée générale de l'ONU. Comment on explique ça ? C'est normal, parce que vous êtes, prenez par exemple le Comité national olympique de Palestine, le Kosovo, qui n'est pas encore reconnu partout, il a aussi un comité national olympique et il joue véritablement du sport, c'est le volleyball, je crois. Là, c'est de l'usage du sport comme reconnaissance. Comme outil diplomatique. Comme outil diplomatique. Football aussi, Kosovo. Très clairement, football aussi. Une façon de se dire on existe. On existe par le sport, on est reconnu par le biais du sport, donc on va s'appuyer dessus. On a fait une jeune chercheuse qui a fait l'article sur le Kosovo, comment la nation, le Kosovo est incarné par ces équipes sportives qui peuvent choisir ou d'être sur la Serbie, ceux-là ils ne sont pas bien vus, ou de plutôt choisir le Kosovo. Oui, c'est bien la preuve de l'incarnation par le sport d'une identité nationale. On ne voit pas ça encore tout à fait, c'est intéressant. Si je pense au Pays Basque ou à la Catalogne, non. Vous avez eu des Jeux méditerranéens qui ont eu lieu à Tarragone, c'est-à-dire au sud vraiment, de la Catalogne proprement dite, mais dans un pays qui est encore un pays de langue catalane. Et on aurait pu croire que ça allait être des Jeux, au fond, nationalistes catalans, ce qui s'était organisé à Tarragone, et puis en fait pas du tout. Pas du tout, d'abord parce qu'ils n'ont pas vraiment réussi à les organiser correctement, parce que c'était le bazar avec le référendum de l'indépendantisme, bon tout ça a été fort compliqué pour eux, et du coup ça a été complètement réinvesti par l'Espagne, et suivi par le public en tant qu'Espagne. Méditerranée peut-être, mais certainement pas en tant que Catalan. C'est une décision politique des Basques et des Catalans, par exemple, de ne pas chercher à créer un comité olympique basque ou catalan. Là, en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le sport sert de levier de revendication. On pense, par exemple, à la question de la Catalogne, le FC Barcelone s'est retrouvé à être finalement au premier rang. Donc on voit que le sport peut servir de la même manière qu'a servi finalement l'équipe du FLN, du Front de Libération Nationale, en pleine guerre décoloniale contre la France. On est dans cette logique-là. On regarde la Croatie par exemple aujourd'hui, on l'a vu jouer justement dans cet Euro, c'est une des stratégies. Par le sport, on a construit une identité nationale pour un pays jeune. Ça sert de véritable ciment pour le nation building. Après, sur des identités régionales, c'est plus compliqué parce que vous avez un mal fou à aller chercher finalement des jeunes et à obtenir une revendication. C'est assez intéressant parce que dans le foot, ça existe plus facilement. Vous avez par exemple des équipes qui correspondent, nous, à nos territoires et départements d'outre-mer. Vous avez des manifestations comme la CONIFA, c'est finalement la manifestation des États fantômes. Vous avez l'Abkhazie, par exemple, qui peut jouer. Et Bilbao avait quand même une équipe où il n'y avait que des Basques. Il n'y a que des Basques. Il y a un vrai travail dessus. C'est culturel. Quand l'émir du Qatar, Al-Thani, dit c'est plus important pour un pays d'être membre du CIO que d'être membre de l'ONU, qu'est-ce qu'il veut dire ? Ce qu'il veut dire par là, c'est que d'abord, vous avez une visibilité qui est plus importante et vous existez. Toute la stratégie du Qatar, et j'ai beaucoup écrit là-dessus, repose aussi là-dessus. La visibilisation du Qatar, c'est ça. Il y a 25 ans, qui savait ce qu'était le Qatar ?
à part les géographes. Et voilà. Aujourd'hui, ils ont organisé un mondial, ils sont candidats à des JO. On achète plus facilement au niveau du sport qu'on achète au niveau de l'ONU, quand même. Alors, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je suis d'accord. Là, il faut vraiment avoir de très gros moyens. Il y a un pays qui fait la même chose que le Qatar, qui s'en inspire avec son argent, avec l'argent du Qatar, c'est le Rwanda. Le Rwanda se sert de l'argent du Qatar, parce que c'est un pays qui n'a pas beaucoup d'argent, il est beaucoup financé par les pays du Golfe. Et qui se sert du Qatar dans le sport. C'est pour ça qu'on a visite Rwanda sur les maillots du Paris Saint-Germain. Du Bayern de Munich aussi. Et il paraît, il semblerait que ça a apporté d'abord une visibilité, évidemment, au Rwanda, qui est un tout petit pays d'Afrique. Et non seulement ça, mais plus d'un million de touristes. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que par rapport au coût, finalement, sur les manches, on a quasiment un multiplicateur par plus de 5 sur les retombées touristiques. On est sur le même positionnement que le Costa Rica, ça allait chercher un tourisme premium, qui est un tourisme de CSP+, et finalement qui arrive sur place et qui oublie complètement qu'on est sur un régime autoritaire avec un Paul Kagame qui est là depuis plus de 25 ans. C'est ça. Et ça fonctionne. Le sport a aussi cette capacité à littéralement lessiver la nature autoritaire des régimes. Et en l'occurrence, beaucoup d'acteurs l'ont compris. Et Paul Kagame est le premier. Eh oui. Puisqu'on en est à cette géopolitique du sport, c'est quoi les grandes puissances du sport ? Bah, si on prend quand même pendant longtemps, en tous les cas, si on prend les Jeux Olympiques, les deux grandes nations du sport, ça a longtemps été au 19e, au 20e siècle au moins, les États-Unis et l'Union soviétique. Ouais. En nombre de médailles, c'était toujours premier et deuxième. Alors j'ai lu quelque part que finalement les Américains, ils sont pas si puissants que ça, parce que rapporté à leur population, le nombre de médailles les mettrait au 48e rang ou quelque chose comme ça. Alors si vous choisissez l'Inde, alors eux encore moins. Alors justement, l'Inde c'est très intéressant parce que voilà une puissance. C'est une grande puissance, mais c'est pas une puissance sportive. Première puissance démographique. Pour l'instant. Mais puissance économique en développement. C'est tout à fait étonnant. Mais un nain, sportivement. Une médaille aux Jeux Olympiques dans toute leur histoire. C'est-à-dire qu'ils pratiquent principalement deux sports qui ne sont pas des sports mondiaux. Le cricket, bien sûr. Et le cricket. Le cricket. Non, il y en a un autre, je suis d'accord, il y en a deux. Mais bon, on va le trouver. Mais ça va être intéressant justement parce que... Le hockey sur gazon, peut-être. Oui, exactement. Deux sports anglais, quoi. De sport anglais. Si on prend le cricket par exemple, il va être au jeu de Los Angeles 2028 et sous une nouvelle forme, ce qu'on appelle le T20, c'est une version plus ramassée, ça ne durera pas plus de 3 heures et surtout on comprendra les règles alors non seulement on comprendra les règles, mais ça a été fait pour que ce soit spectaculaire et que ce soit regardable. D'accord. Et surtout médiatisable, c'est-à-dire qu'on puisse le filmer. Et ce qu'on va avoir ici, c'est la possibilité de faire entrer dans le Giro Olympique finalement le 1,4 milliard d'Indiens, mais aussi toute la diaspora. Sachant que c'est la diaspora qui finance derrière. Et puis, il y en a un qui va en tirer profit, c'est Narendra Modi. Parce qu'il vise les Jeux de 2036. Oussa Ahmedabad, dans le Gujarat, qui est finalement le fief du BJP, le parti nationaliste hindou. Et là, vous avez la stratégie que vous voyez ailleurs, mais dans une démocratie. On va dire qu'il n'est pas parfaite. Voilà. Mais c'est joliment dit. Quelle démocratie est parfaite ? Mais tout de même, c'est intéressant parce que le cas de l'Inde qui est un pays qui pèse tellement lourd et qui pèse tellement peu dans le sport, il faut combien de temps pour qu'un pays devienne une puissance, puissance sportive ? Ils ont mis les moyens. Ils ont mis combien de temps, la Chine ? Je ne sais pas, je dirais qu'entre 1900, fin de Deng Xiaoping, par exemple, je dirais. Il faut une trentaine d'années pour devenir. Deng Xiaoping, c'est 80 ans. Entre 10 et 15 ans pour faire un sportif de haut niveau. Et donc, si vous partez du principe que vous sacrifiez une génération avant, en une vingtaine d'années, vous pouvez arriver sur le devant de la scène. Ou échouer comme le Qatar. Et la France, oui, mais enfin, c'est pas le même nombre. Il y a des pays qui ont compris comment ils pouvaient exploiter ça, par exemple. Moi, je prends l'athlétisme, certains pays africains des hauts plateaux, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda et le Soudan se sont servis de l'athlétisme pour apparaître au monde, parce que sinon ils étaient complètement absents des autres disciplines sportives et sont devenus des fers de lance. Je veux dire, il n'y a pas un marathon sans que ça soit un Kenyan ou un Éthiopien qui gagne. Il y avait un fonds national, c'est-à-dire il y avait cette culture de, mais de la course. Pas. Il y a une spécialisation dans le sport, comme on peut le voir finalement pour la production industrielle. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé les domaines dans lesquels ils pouvaient exceller et on a vu aussi qu'ils bénéficiaient d'un autre avantage.
il y a très peu de systèmes finalement d'antidopage. Là, c'est en train de se structurer. Mais on a vu énormément de sportifs kényans tomber pour dopage ces dernières années. Alors que nous, la France... La France, justement. C'est intéressant parce que nous, on a un système sportif qui est très différent de ces pays-là, et notamment, par exemple, de l'Angleterre, qui avait choisi pour ces Jeux de cibler certains sports et de mettre énormément d'argent, par exemple, sur le cyclisme, notamment. Oui. En 2012. En 2012, exactement. Nous, depuis toujours, on est très étendu, notre palette est très ouverte, on est présent dans tous les sports, et donc on est, par exemple, un petit peu faible, parfois, dans certains sports, alors que ça rapporte un moment de médaille. Au plongeon, par exemple, on n'existe pas, on a quelques plongeurs, alors qu'il y a un paquet de médailles à récolter. Aux Jeux d'hiver, c'est la même chose, il y a, vous savez, autour de la glace, les patins... On pourrait avoir une stratégie olympique. Oui. Plus ciblé. Parce que vous dites, il y a des spécialités qui apportent beaucoup de médailles. C'est plutôt sympathique de ne pas jouer forcément. Mais on le joue par exemple dans l'escrime. L'escrime, ça rapporte pas mal de médailles. Ah oui, c'est même le fournisseur numéro un Et le judo. Le judo, ça vient aussi du fait que dès le primaire, dans les écoles, dans énormément d'écoles primaires, on propose aux gamins, même dès la maternelle parfois, de faire du judo. Donc c'est la même. Il y a des filières parfois régionales, l'escrime dans les dom-toms. Bien sûr. Il y a des écoles d'escrime. C'est Charles de Gaulle qui avait lancé ça, je crois, après des très très mauvais résultats aux Jeux de 1960, à Rome, qui avait, j'allais dire, pardon, c'est pas le lieu et c'est pas le vocabulaire de l'homme, mais piqué une gueulante en disant c'est... Mais il paraît que ça avait été assez on était au 25e rang et on a eu un titre. Et il y avait un Jacques Faisan. Quel rang, pardon? Un descend de Jacques Faisan. 25e rang. Un descend de Jacques Faisan dans le Figaro où il y avait le général qui disait « il faut que je m'occupe de tout ». Oui, c'est devenu un classique. Et c'est là où il crée l'INSEP. Exactement. Mais dans les années 60, on n'a pas la médiatisation d'aujourd'hui non plus. Donc aujourd'hui, faire de très mauvais résultats au JO, regardez quand en natation, on a eu un peu un creux après avoir brillé avec énormément de médailles, ça fait ça aurait tout de pu suite avoir mal. Un impact sur les législatives, malheureusement, elles auront lieu avant. Oui, elles auront lieu avant.